Oh non. Ah si. Ah ça je vais pas supporter. Ah, dommage. Non mais je suis censé cacher mon visage à la presse. C'est vrai. Ouais. C'est pas la presse. Ouais, c'est peur. Faut qu'ils achètent bien mes robes. Ludovic, tu pourrais nous présenter ta nouvelle création sur Oui, bien sûr. Donc, je l'ai appelée Poubella. Donc, c'est à base de PVC. J'ai voulu travailler sur l'éco-citoyenneté, le recyclage. Que dire de plus? C'est un travail qui m'a pris 800 heures, surtout au niveau des finitions, qui sont entièrement contre-collées. On comprenait bien ta femme. Non, j'ai tourné. Elle fait tourner. Cette dérive à faux, c'est interdit. Je m'occupe du catering, de trouver les accessoires, de répondre aux desiderata de la diva. Voilà, il n'y a pas des idées particulières dans la tête et je suis chargée de trouver des solutions. Voilà. Et en même temps, j'approvisionne en alcool la fine équipe. D'ailleurs, je pense qu'on va quand même attaquer l'apéro. La terre était meuble, donc nous étions complètement enlisés. La terre était meuble, nous avons failli mourir. Mourir, oui, mourir. Nous venons de là. Bon plan sur les chaussures.
assez mais honte. Tu vas être prise en photo, donc on peut te filmer quand non, même. Non, j'ai assez honte comme ça d'avoir une coupe qui ne veut pas du tout. Déjà, je vais me ridiculiser. En plus, tu filmes. Gourou, gourou dans la casa. C'est ça, tristesse. Non, mais vas-y, prends ton truc. Vas-y, je te mets la tristesse. Ah là, elle pleure, ouais. Vas-y, vas-y. Tu l'as la larme sur la joue droite. Hein. Plus bas le visage. Plus bas la larme. Je suis encore là. Ouh. Pour info, je vais quand même préciser que mon coiffeur s'appelle Guillaume Roche. Plus précise, Roche, Guillaume.